الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الكبار وعلى التابعين لهم بإحسان لا يتناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عن أروة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما عرضت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الطعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة تذللني فنظرت فيها فإذا بجبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك فقد بعث إليك ملك الجبال لتعمره بما شئت فناداني ملك الجبال فسلم عليه فقال يا محمد ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخبشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا رواه البخاري ومسلم شرف الرسالة الحمد لله سي حديث est une conversation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Aïcha radiallahu anha qui demanda un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam quel était le jour le plus pénible. A-t-il connu un jour plus pénible que le jour de Uhud? Le messager d'Allah répondit: j'ai enduré, j'ai supporté de la part de ton peuple des choses encore plus pénibles qui est le jour de Uhud. Parmi la chose la plus pénible d'entre elles, que j'avais éprouvée de leur part, fut le jour de l'Aqaba. Ce jour-là, j'avais demandé alors la protection de Bun Abdouyali, qu'il me la refusa. Je me suis trouvé alors sur le monde, Karnel Ta'alib, sans s'en rendre compte, tellement que la déception était grande. J'ai parti abattu par la déception. En levant la tête, j'ai vu un nuage qui me couvrit de son ombre. Je regardais, j'ai vu Djibril qui m'appela. Il dit, voici Dieu, ton Seigneur a entendu ce que vient de te dire ton peuple et le refus qui t'ont opposé. Voici l'ange de la montagne que Dieu a envoyé vers toi afin que tu leur donnes ce que tu veux faire contre ce peuple.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'ange de la montagne m'appela alors, il me salua et il me dit, mon Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu m'ordonnes ce que tu veux que je fasse contre ce peuple. Si tu veux, je vais les écraser entre les deux montagnes de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réponse fut, non, je souhaite plutôt qu'Allah fasse sortir de leur reine une progéniture adorant Allah seul sans rien lui associer. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. On voit très bien que Aïcha radiallahu anha, pour elle, elle croyait que Yom Uhud était le jour le plus difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prophétie. Pourquoi Yom Uhud? Yom Uhud. Le jour de Uhud, c'est une bataille qui a été très pénible, très difficile pour les musulmans. Car durant cette bataille, les musulmans perdirent beaucoup de leurs compagnons. Beaucoup d'entre eux tombèrent martyrs et furent mutilés horriblement, y compris Hamza. Le prophète lui-même fut blessé et on cria que le prophète est mort. Et ce qui a fait installer la panique au sein de l'armée musulmane. Après la bataille, qui était très difficile, voir beaucoup de ses hommes, perdre beaucoup de ses hommes, lui-même blessé pour Aïcha radiallahu anha, c'est le jour le plus pénible. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, le jour le plus pénible, c'est le jour de Taïf. Pourquoi Taïf? Laissons un peu, venons un peu lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en résumé. Dès le début de la prophétie, les Mekwa, les Quraishi ont opposé un refus catégorique au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont essayé sans relâche à persécuter quiconque s'hasarde à embrasser l'islam. Si c'était un homme, un noble, un riche, ils l'humiliaient, le blâmaient, on le menaçait de le ruiner en fait de bien et de puissance. Si c'était un pauvre ou un esclave, il le maltraitait, il le battait, il le torturait. Il y en a qui succombaient à ces tortures, comme Yasser et sa famille Soumaïa. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit quelque chose de sorte épargné de cette torture et de cette persécution. Pourquoi? Il jouissait de la protection de son homme qui est Abu Talib. Et quand ils ont vu que le nombre de musulmans continue encore à augmenter, ils ont adopté une autre arme. Et cette arme fut le boycott. Le boycott, puis le boycott. Et ce boycott, c'est décréter un embargo contre les musulmans qui contrôlent le Bani Hashim et Abi Talib à cause de leur lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce boycott, cet embargo fut très dur pour les musulmans. Ils étaient affamés à tel point qu'ils étaient contraints à manger les feuilles des arbres. Et cet embargo dura 3 ans, de 7 ans jusqu'à 10e année de sa prophétie. Et grâce à quelques-uns qui trouvèrent que ce boycott est injuste, et alors il déchira le document qu'on appelle Sahifa, qui était vraiment suspendu au sein de Kaaba. Une fois sorti de cette calvaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut affligé encore par une autre perte aussi d'une grande ampleur. C'est la mort de son oncle Abu Talib. Et cela fut secondé par une autre perte, celle de Khadija, son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ces deux pertes, il perdit alors un soutien indéfectible de la part de son oncle, un parent affectueux, et aussi un soutien moral, financier de sa femme Khadija. Pour te dire combien de fois Khadija a été un grand support pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, taqoul,
لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت حتى يذكر خديجة ويحسن الثناء عليها. فذكرها يوما فأخذتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوجا فأبطلك الله خيرا منها. قالت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهتز مقدم شعره من الغضب فقال لا والله ما أخلفني الله خيرا منها. فقد آمنت بي هنا كفر بي الناس وصدقتني هنا كذبني الناس وواستني بمالها وبنفسها هنا حرمني الناس. داسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم parle souvent de Khadija car il a cru en moi quand les gens me traitèrent de menteur et ils ont mécri en moi. Il m'a supporté par son argent quand les gens m'abandonnèrent. Perdre deux personnes de cette taille fut très éprouvant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khouraïchi trouva alors que le champ est libre. En ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, en personne, lui-même, n'était pas épargné de la persécution. Et la Mecque devint alors très difficile de vivre, invivable. Il décida alors de se rendre à Taïf afin de trouver le soutien et la protection qu'il faut. Il allait voir deux frères parmi les chefs de Thaqif. Il s'installa parmi eux. La déception fut grande. L'un d'eux dit « Ama wajallahu ahadan ghayrak » Dieu n'a-t-il trouvé mieux que toi? Il n'a trouvé personne sur cette terre à envoyer comme messager que toi. L'autre dit لأمتقن ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. Il dit sera facile pour moi de déchirer le voile de Kaaba qui est de croire à toi. L'autre dit quant à moi je ne te parlerai jamais car si tu es prophète tu es trop important pour que je puisse te parler. Si tu mentais tu ne mérites pas ma parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a dit, il dit je partis alors abattu par la déception. Il dit إذا فعلتم ما فعلتم فاقتموا عني comme vous avez fait, si c'est ça votre position, je vous demande de garder cette interview en secret entre nous. Ils vont faire le contraire. Non seulement ils vont inciter les faibles d'esprit, les esclaves, de se tenir d'une part à d'autre le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprend afin de le crier, de l'injurier et de lui jeter la pierre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, selon ces hadiths, que c'était le jour qui fut le plus difficile pour lui. On voit très bien que Aïcha radiallahu anha parle d'une blessure physique. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle ici d'une blessure psychologique dont l'impact est plus dangereux, est plus grave, est plus difficile que l'autre. Quand on regarde ce hadith, ces deux événements, qui est Uhud et aussi Taïf, les leçons qu'on peut tirer, la première chose d'abord, c'est la nature de la servitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de son Seigneur. Dans ce moment difficile, car c'est la soumission totale et inconditionnelle dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, dans ce moment difficile, il fit une invocation. Et cette invocation, quand tu médites là-dessus, tu comprendras bien le degré de la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجحمني أو إلى قريب ملكته أمري فإن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك لي أوسع لي أعوذ بوجهك بدون وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبي أو يحل بي سقطك ولا حول ولا قوة لك الأطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Quand tu médites sur cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa alors à son Seigneur.
Il dit ça à toi, vers toi, que je me plains de ma faiblesse, de mon incapacité et de paix, de considération que les gens ont à mon égard. C'est toi qui es le plus clément des cléments. Me confie-tu à un ennemi hostile ou à un proche dont tu as rendu maître de ma situation. Tout cela m'importe peu aussi longtemps que je n'ai pas attiré ta colère. Je cherche protection par la lumière de ta face qui éclaire et qui illumine les ténèbres sur lesquelles les affaires de ce bas monde et de l'au-delà s'améliorent. Et c'est à toi seul qu'on doit chercher sa satisfaction et ni de force, ni de puissance en dehors d'Allah. Cela nous montre combien de fois le professeur sallallahu alayhi wa sallam avait une foi innombrable à son Seigneur. Quel est notre cas aujourd'hui? Certains, comme le dit Dieu le très haut, ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il y a parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il lui arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Mais quand une épreuve leur arrive, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Et ça, c'est pas seulement cette situation que la personne, quand les choses vont bien, ils s'en tranquillisent. Non, d'autres, c'est le contraire encore. Quand un bien les arrive, c'est le péché. Quand c'est le malheur, il renie complètement leur foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un bien lui arrive, sajada lillahi shukran. Et quand un malheur lui arrive ou une épreuve, إذا حدث أمر فزع إلى الصلاة إلى الصلاة. Ça nous donne vraiment l'exemple qu'il faut suivre. Et aussi on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui l'a aidé de se comporter ainsi, sa confiance innombrable à Allah. Et ça tu le vois dans la réponse qu'il a donnée à Zayd. Une fois le retour vers la Mecque, Zayd s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui posa cette question pertinente. Atadkhul alayhi wa hum qad akhrajouk. Atadkhul alayhi wa hum akhrajouk. Va-t-il les intégrer Quraysh, alors qu'ils t'ont fait sortir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Qala ya Zayd, inna Allah ja'ilun lima tara فرجا ومخرجا إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. Il dit la situation donc dans laquelle nous vivons, Dieu nous accordera certes une issue favorable et Dieu aidera certainement sa religion et il fera triompher son prophète. Et il ne s'est pas trompé car c'est la 10e année de sa prophétie. L'an prochain, c'est le voyage vers le ciel, l'ascension. Si les habitants de ce bas monde l'ont refoulé, c'est les anges et les prophètes qui l'ont accueilli au 7e ciel. Et le suivant, c'est Médine tout entière qui sont sortis pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce que Dieu a décrété, il y a là-dedans la bonté et la beauté. Il se peut que tu le vois ou tu ne le vois pas. Donc c'est très important. Et aussi, cela nous donne une autre leçon dans cette situation, que dans la vie, il faut se rendre à l'évidence. Car nier l'évidence, et c'est une autre sentence. Il est sorti pour chercher le soutien. Il ne le trouve pas, il se retourne encore à la Mecque. Beaucoup d'entre nous ne faisons pas ça. Quand tu sors chez toi, chercher une chose et que tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est mieux vraiment de reboucher le chemin. Tu ne peux pas dire que ta situation est plus précaire que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car pour intégrer Makka ce jour-là, il fallait qu'il envoie un message vers les chefs de tribus afin de leur accorder leur soutien, leur protection. Le premier chef déclina, le deuxième aussi déclina,
C'est seulement le mot'im bon Ali, celui qui accepta. Il vient alors avec ses enfants pour amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accompagner jusqu'à sa demeure. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة بالعالمين ريشر فريد إسير كانت لي لا بيغرافي للبروفيت صلى الله عليه وسلم on se rend compte que dans le sentier d'Allah ce n'est pas le résultat qui compte plus. C'est l'effort qui compte. Et ça, le prophète Allah a compris. Quel effort que tu as fourni dans le sentier d'Allah? Quelle était ton intention? C'est ce qui compte. C'est ce qui est important. Quant au résultat, il est important, mais pas aussi important. Pourquoi? Car ça incombe Allah. C'est Allah qui décide la fin. Laisse aller que Hudahun. Voilà qu'Allah yahdi man yasha. Ne te compte pas leur guidance. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Wa atiu Allah wa atiu Rasula wa hadharu fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Obéissez à Allah et à son messager et prenez garde. Mais si encore vous vous détournez, sachez qu'il n'encombre à mon messager que de transmettre le message clairement. Quant à la guidance, c'est dans la main de Dieu. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ Il t'incombe seulement de transmettre, de communiquer le message. Quant à juger les gens, cela incombe Allah seulement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris ceci. Ce qui a fait qu'il ne s'est pas importé, et ça c'est très important. Quand nous disons ceci, quand tu vois dans les récits, dans l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam urida alayhi al-anbiya minhum nabi laysa ma'ahu illa rahm wa minhum laysa ma'ahu illa wahid wa minhum laysa ma'ahu ahad. Il y a eu parmi les prophètes qui ont prêché des années, ils n'ont eu quoi? Quelques-uns seulement. Nous, 1000 ans, moins 50 ans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelques-uns, à peine il peut remplir un navire, un safina. Et on voit aussi que d'autres n'ont rien avec eux. Mais est-ce qu'ils ont échoué? Non, ils n'ont pas échoué. Nous disons ainsi, cela ne veut pas dire que le résultat n'est pas important. Oui, il est important, mais il se peut que ce que toi tu vois, ce n'est pas ça. Car, comme le dit dans l'invocation, quand tu invoques Allah, soit « yu'ajil laka fi dunya » ou « yu'akhir laka fi l'akhira » ou « yusrif anka mithlahu minassu » Il se peut que quand tu invoques Allah, ou tu œuvre dans le sentier d'Allah, que Dieu t'accorde ce que tu veux. Ou non, il le retarde pour toi dans l'au-delà. Ou il t'écarte un mal équivalent à ça. C'est pour cela qu'on peut dire que tous ces récits que nous venons de citer, que ce soit Fazot Uhud, que ce soit Ta'if, a été une victoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, apparemment, on voit vraiment qu'il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de difficultés dans Fazot Uhud. Et la règle de Taif, il y a eu des problèmes, mais non, il y a eu beaucoup de succès. Car dans Uhud, ce que Dieu a voulu vraiment triompher, c'est le principe. Et ce principe, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéir. فَلْيَحْضَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans ce verset, Dieu le Très-Haut dit, ce qui diverge, ce qui n'obéit pas à son commandement, il risque de les arriver un malheur. Et les sahaba ont compris. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا أَخْضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dans ce verset, et ça c'est très important, que les archers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pointés sur la montagne, sur la colline, ils croyaient vraiment que le combat était fini. Mais non, ils se trompèrent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait dit, en aucun cas, de laisser la colline. Et aussi, ça nous montre la nature de cette religion, qui est basée sur la miséricorde, sur la compassion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le voit très bien. Dans ce moment difficile, quand Jibril est venu le voir avec Malakul Jibal, il lui a donné la possibilité
d'ordonner Malik al-Jibal afin de les écraser. Quelle était sa réponse? Arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'an. On le voit aussi avec Ghazwat Uhud. Fabima rahmati min Allah lintalahum wa law kunta fadhlan ghaliz al-qalb lam faddu min hawlik. Tout cela nous montre vraiment la nature de cette religion. C'est pour cela quelqu'un qui appelle à la religion de l'islam ne peut être quelqu'un qui a beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde. Dieu le Très-Haut dit: "Oman ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyu hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadhin 'azim." C'est ainsi que le croyant doit se comporter. Et c'est très important de méditer sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est un exemple pour nous. Nous prions que Dieu nous accorde la lumière. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يذل من عافيت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين ربنا ومعاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصاحب الدنيا متئنا باسماعنا واذوادنا وذرياتنا عبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا لما عادانا ولا تشمت لنا الاعداء ابدا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نقمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءه نقمتك من جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم Nous avons nos frères qui ont demandé vraiment que vous priez pour eux. Il y a un frère, il y a l'un de ses parents qui est très malade. Nous prions que Dieu lui accorde la santé. L'un de nos sœurs aussi a demandé qu'il a certaines difficultés. Nasallallahu alayhi wa yaj'allahu haraja wa makhraja min mushkilatihi. Qumu ila salati wa hamdulillah.